Cette vidéo vous est présentée grâce au programme EA Creator Network. Merci beaucoup à EA. Bienvenue dans les Sims 4, tenue de soirée, c'est parti. Style parisien moderne, associez des shorts à des baskets pour un look fun et décontracté, ou mettez-vous sur votre 31 avec de la soie ou des paillettes. La mode des jeunes d'aujourd'hui, oh là là, non. La mode des jeunes d'aujourd'hui, ça fait ok boomer. La mode des jeunes puise son inspiration dans les styles classiques pour créer quelque chose de nouveau et de tendance. Romance intemporelle, les robes moulantes, les chemises fluides et les vestes élégantes sont des basiques toujours à la mode. Et votre sim a trouvé cette étincelle romantique avec des tenues conçues pour durer, même si ce n'est pas le cas de son histoire d'amour. Oh mais c'est terrible. Blazer Lila. Il est incroyable. Oh, les plis, la ceinture. Ok, what, regardez la ceinture qui est un tout petit peu avancée. Ça, ça fait plaisir. Oh. Ok, bah ça, je vais le mettre tout le temps. C'est clair et net. On a ce petit pull fourrure que j'aime beaucoup aussi. En voyant l'image, je me suis dit, ça va être éclaté au sol. J'avais peur de la texture fourrure qu'on n'a pas dans le jeu. Mais en fait, ça marche bien, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça marche. Les plis, s'il vous plaît, les plis, incroyable. Bon, je suis désolée, du coup, on voit ses fesses à chaque fois, mais regardez pas. Hein. Oh, le bleu est beau. C'est un peu corail, ça, j'adore. Oh là 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 là. Bon, alors, rose flashy, pas trop mon truc. Mais par contre, le reste, j'adore. Magnifique. Une petite chemise, moins fan, mais c'est parce que c'est pas mon style. Par contre, j'aime beaucoup la broderie au niveau du col. J'aime les plis, j'aime comment les manches tombent, que ce soit très droit comme ça. On a vraiment l'impression de ce tissu très fluide. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? Ah, par contre, c'est très sympa, ça, bicolore. Ah bah voilà, je la trouve mieux en bicolore. Par contre, c'est quand même transparent. Hein. Ah, c'est sympa en dégradé comme ça. Franchement, j'aime bien. Oh bah comme ça j'aime bien. Mais c'est parce que je suis pas fan de l'article en lui-même, mais j'aime tout, enfin je sais pas, j'aime tout de l'article, j'aime les détails, j'aime la broderie, j'aime les poches, j'aime le tombé, j'aime les couleurs, mais j'arrive pas à avoir de coup de cœur comme je peux l'avoir pour ça, vous voyez, donc je pense que c'est vraiment l'archi subjectif. Alors ça c'est spécial, vous allez me dire, oh là c'est bizarre, un demi-pull avec une brassière, mais je sais que c'est archi à la mode. Et là je trouve que l'article est plutôt bien fait, une brassière comme ça on en a même pas in-game. Moi l'amélioration du cuss, je dis à chaque fois qu'il y a un kit, mais parce que j'en reviens pas, genre souvenez-vous des kits, juste vous dites non chaton elle abuse, prenez un des items du jeu de base, prenez un item d'Ariki kit et vous allez comprendre. Je comprends pas trop le concept, même IRL, bon c'est pour faire stylé hein, parce que sinon là c'est pas parce que t'as chaud, parce que t'as froid, on sait pas. Ah j'aime bien comme ça, non en vrai j'aime bien, moi je porterais pas mais j'aime bien, c'est tout simple, c'est comme à la fois simple mais extravagant. Et j'aime bien. Lila, par contre elle a tout mis lila, elle peut m'offrir une pièce de sa collection. Parce que j'allais dire, je vais m'acheter quelque chose de sa collection, mais en fait, c'est pas possible. Ok, après, on a ce petit t-shirt. Alors ça, j'ai l'impression que c'est un truc des années 2000 que Veronica Mars aurait pu porter. Genre, ça va jusqu'en haut du cou, c'est crop, mais pas trop, genre dans le sens où ça, moi, je le vois bien avec un jean taille basse, justement, pour montrer ton bas du bidou, là. Et voilà, quoi. Ça me fait très années 2000. Après, ça revient, la mode, c'est... ça fait que revenir, tu vois. Bon, bah, je suis pas fan de celui-là, j'aime pas trop le motif. Is ok, tu vois, mais je suis pas fan du motif, on va dire. La coupe... pas tant non plus, les couleurs pas tant non plus, bref celui-là pour moi il a trop rien pour lui, je le vois tellement mis avec un pantalon taille basse et je déteste tellement les pantalons taille basse que je crois que c'est ça. Alors après on a une chemise ample qui est plutôt pas mal mais je pense qu'elle va mal tomber, je pense qu'elle va vite mal tomber justement sur les Sims qui sont peut-être un peu plus gros ou quoi, c'est dommage, les boutons qui vont s'étirer. Quitte à faire une chemise ample, je l'aurais vu extra ample mais c'était peut-être pas possible par rapport aux Sims. Lila, let's go. C'est mignon avec les petits points. Je la trouve mignonne. Oh, j'adore. Les couleurs et tout, par contre, les dégradés, j'adore ce qui a été fait, quoi. Pas mon item préféré, mais j'aime bien. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. Oh, j'adore. Ouais, non, mais ça, par contre, je vais mettre tout le temps, en fait. J'adore. Avec un pantalon taille haute, là, nickel. Je trouve qu'il fait bizarre sur le ventre. Après, tu sais, c'est en fonction de la shape de ma Sims, hein. Genre, je pense que si je le bouge... Voilà, le problème, c'est que c'est toujours la même chose, hein. Voilà. C'est parce que ma Simette, elle a pas le... Comment dire en français? C'est hourglass en anglais. Sablier? Voilà, on dit sablier en français. Écoute, la mode dans les Sims, ça représente bien la mode IRL. C'est-à-dire, IRL, on fait pour un style de corps. Et si t'es pas dans ce style de corps, ça devient très difficile de t'habiller. Bah, c'est un peu pareil, là, vous voyez, il tombe plus du tout pareil. C'est parce que, bah, ma Simette, elle a pas cette shape.
Alors après, on a ce gilet pareil, oversize, j'adore. Avec le tricot là sur le côté, au niveau des poches et tout, je le trouve trop trop joli. La brassière, je l'aurais fait un chouille plus grande, genre parce que là, moi, j'avoue, je porte ce genre de brassière, j'aurais peur qu'il y ait des choses qui fassent, hop, salut, c'est moi, tu vois. J'avoue, j'aurais mis un chouille plus grande. Oh, j'aime bien les couleurs. Hein. Les couleurs, par contre, elles sont vraiment modernes, je trouve ça top. Lila! Oh! What? Il brille! Mais attendez, mais il est trop beau, il rend trop bien! Non mais quoi? Non mais... J'adore, OMG! Ah bah tu vois, ça, je l'ai vu sur les images du kit et j'étais en mode... Mais en fait, il rend très bien en jeu. Que ce soit resserré en bas, l'élastique que tu vois, le fait qu'il a l'air d'avoir une petite chemise en dessous, franchement, je suis sur fan, je l'adore. Et après, il y a cette Je ne réponds plus de rien. Ok, cette chemise, je crois que c'est mon item préf. Quoique, il y a le blazer. Chemise oversize, comme ça, un petit peu jetée sur ton corps. J'adore. Oh là là, les couleurs en plus. Oh non, mais alors ça, je m'en sers tout le temps. Lila! Mais attends, mais ils m'ont entendu, l'équipe des Sims? C'est pas possible, ils ont entendu mon addiction pour le lila. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vois bien ça en tenue de sommeil. Tu sais, tu t'es un peu rhabillé vite fait le matin ou quoi? Ouais, pour le coup, la texture satin, là, je trouve que ça va pas trop avec ce pantalon. J'aurais préféré une texture brute qui reflète pas la lumière. Ouais, je suis gênée avec la texture satin. Mais sinon, j'aime beaucoup, les plis sont incroyables, j'adore les poches, c'est vraiment un style qu'on n'a pas. Pas fan du fini satin en général dans les Sims 4, de toute façon, je trouve que ça a tout de suite trop cet effet CC alpha, alors que ça devrait être que du Maxis Match, tu vois. Ah bah voilà, je préfère cette texture-là. Là, c'est une texture un peu mousse, limite, je trouve. J'aime beaucoup les plis, là, en bas. Oh, j'adore. Je sais que je vais beaucoup l'utiliser. Il est taille haute parfait. Oh, trop bien, j'adore. On a ce short. Bon, voilà, ce short, c'est ce que je vous avais dit quand je l'avais vu, j'étais en mode faut voir la ceinture. Bah voilà, la ceinture elle est toute plate et donc moi quand c'est comme ça j'ai un peu de mal, même si je comprends pour qu'il n'y ait pas de soucis de ça rentre, mais je trouve que tu sais comme le blazer où c'est un tout petit peu avancé, c'est rien, c'est un millimètre, et bah là il pourrait faire ça quoi, un millimètre, il est très sympa, mais ouais, du coup moi les ceintures comme ça je me dis autant pas en avoir quoi. Bah ça fait vraiment short, genre des années 90 là, c'est quoi, ça s'appelle comment, un Bermuda, non? On se plaint toujours d'avoir les mêmes items en boucle, bah là c'est quelque chose qu'on a pas, donc on va pas se plaindre. Et puis je me vois quand même bien le mettre éventuellement pour une tenue de temps chaud, un swatch lila, et il y a, ça c'est pas la même texture hein. Alors après on a la, ouais, en jupe, qui va avec le haut. Du coup, je suis moins fan de la jupe que du haut. Le haut, j'étais vraiment en mode ah oh, non, en fait, c'est largement mieux que ce que je pensais. Là, la jupe, je suis en mode bof. Mais au moins, on a ce qui va avec. Au niveau du bidou, ça fait une petite ligne là. Fais voir, attends. Ouais, je confirme. Ok, il begouille un petit peu, mais franchement, ça se voit pas. Et puis, ta cimette, elle est pas censée être à poil. Même le bouton et tout, il fait croche, il est pas tout à fait rond. J'aime moins en général, je trouve que celui-ci, je trouve qu'il tombe mieux, ouais. Que celui-là, avec les jambes plus fines, j'aime plus l'effet oversize de l'autre au final. Moi qui étais en mode, on va avoir plein de jolies robes. Eh ben, on a une jolie robe, écoutez, c'est déjà ça. On a une tenue entière. Mais par contre, elle est sublime. On l'avait vu dans les images. Ça va, je vous ai craché dessus, pardon. Même si c'est la texture satin qui me choque moins. Oh là là, mais regardez, on dirait un petit dessert. T'as un petit sou à la crème, toi. J'aime trop. Lila, OMG, je veux la mettre tout le temps, cette robe. Oh là là. OMG. J'adore, je la mets tout le temps. Une nouvelle paire de chaussures. Ouah, des sneakers. Oh, trop bien. Ça a l'air d'être écrit en simlish dessus. Donc ça, j'apprécie. Oh, on a du lila. Je les aime beaucoup. Moi, je suis jamais contre encore des paires de baskets. Vous pouvez m'en donner un milliard. J'adore les baskets, donc let's go. Ah, on a quand même une nouvelle paire de boucles d'oreilles. On n'avait pas un truc comme ça? Ah bah si, c'est bien ce que je me disais. Oui, vous allez me dire, il y a quand même de la différence, je suis d'accord. Là, on est plus sur une goutte en bas, et là, on est plus sur deux boules. Est-ce que j'avais besoin de cette paire de boucles d'oreilles-là? Non. Des boucles d'oreilles qui changeaient, avec peut-être plein de... Vous savez, plein de bijoux d'oreilles ou quelque chose comme ça, ça c'est vraiment quelque chose où j'ai l'impression que j'en aurais besoin. Enfin, j'en aurais vraiment envie, pas besoin, j'abuse, c'est un jeu et tout. Mais vraiment envie d'avoir une boucle d'oreille en mode plein de bijoux d'oreilles, tu sais, tout le long. Je suis un peu déçue, il est un petit peu... Non, je sais pas, il fait un peu rabougri. Il est là, je le prends, je l'accueille avec plaisir, bienvenue petit collier, mais pas trop fan. J'aime bien les différentes couleurs de verre, les couleurs de la monture, j'aime beaucoup. 21 pour les femmes, donc autant vous dire que du côté des hommes, on n'aura pas grand chose, c'est sûr et certain. On a globalement la même chemise, mais qui marche très très bien. La même chemise. Alors après on a cette veste par contre qu'on n'a pas pour les femmes, donc c'est cool. Elle est marrante, elle est originale, ça fait un petit peu veste motard slash vendeur à une épicerie, je sais pas. Je sais pas, avec tous les logos partout, ouais, ou motard mais genre motocross, tu vois. Non mais sérieux, on dirait son petit prénom là.
Non, franchement, c'est cool. Petit ensemble, pull, slash, t-shirt, je sais pas trop, avec cette veste, et j'aime trop. Pareil, encore une fois, que les manches, elles arrivent un tout petit peu plus loin que les poignets. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Waouh, il y a un petit symbole derrière, enfin, un petit mot. Oh, franchement, les sweats, je les trouve cool, hein. Ils sont originaux, ils changent. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça me fait plaisir de voir un item comme ça qu'on n'a pas, et je trouve qu'on en avait besoin, en plus, avec des swatchs originaux, c'est cool. En sachant que dans les Sims 4, encore une fois, je rappelle que vous pouvez dégenrer. Mais attention, hein, le cos des Sims 4 a été quand même prévu sur une structure féminine et une structure masculine, et donc les vêtements ne pourront pas forcément tomber de la même façon sur l'autre structure qui est un petit peu imposée, entre guillemets, par le créer un Sim. What? On a 5 bas. Ok, mais ça va être les mêmes. Ah bah non. J'aime bien les plis, le petit bouton, c'est pas le même, hein. C'est pas exactement le même. Et il m'a l'air de tomber un petit peu au-dessus des chevilles, ouais, j'aime bien, hein, j'aime bien, j'aime bien. Alors après, on a le... Eh ben, c'est pas le même non plus, hein. Le Bernuda, c'est pas le même. Si? Non, il me semble pas. Non, 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 non. C'est pas le même, là, il est en texture jean, et j'aime bien la ceinture sur certains swatchs. Après, je pense que la ceinture, elle est plate. Elle est plate. Là, pour le coup, c'est le même pantalon. Même si ça, c'est le même pantalon, pour moi, c'est quand même pas le même pantalon exactement, parce qu'il tombe beaucoup plus bas que chez les femmes, où il est taille haute, donc il est pas... Forcément, c'est pas la même coupe, quoi. Ah, puis il y a une marque, là, j'avais pas l'impression qu'il y avait ça chez les femmes. Alors après, on a le même que chez les femmes, encore une fois, style satin, mais pas taille haute. Et après, ce bas, qui est le même que chez les femmes également. Ah, on a rien encore entier. Révolte ! Révolte ! 28 items, je suis assez sympa, étant donné que, comme je vous dis, il y a les mêmes pantalons pour les hommes que pour les femmes, mais c'est pas exactement les mêmes, parce que ça, la taille n'est pas au même endroit, donc j'accorde que c'était un petit peu du travail en plus à faire. Dans les kits, en général, il y en a 24 à 26. Donc là, on est vraiment sur une moyenne haute pour un Rikiki. Mais voilà, tu vois, un Rikiki, comme là, ils ont fait pour Petit Campeur, qu'on va aller voir juste après, en mode achat construction pour les enfants, j'aurais voulu la même chose pour le Cus, avec des, vraiment des coiffures pour enfants. Pareil, les bambins, des coiffures avec des cheveux dans tous les sens pour les bambins qui se réveillent, avec des petites couettes, machin. C'est trop bien que maintenant les coiffures pour adultes elles soient mises pour les enfants, mais pour moi ça devrait pas être au détriment de nous ajouter des coiffures exclusives pour les âges. Si j'étais de l'équipe des Sims et si je devais encore ajouter des kits cus, je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. J'ajouterais pas des kits encore à jeune adulte, adulte, des énièmes kits de mode, de machin. Oui, tu peux toujours dire qu'il en manque, mais je trouve qu'on est déjà bien. C'est pas, pour moi, c'est pas la priorité, mais je suis heureuse d'avoir votre avis là-dessus. Contente de ce Rikiki kit, y a aucun item que je déteste. J'ai des gros coups de cœur sur plein d'items, mais à côté il y a des items que je trouve juste mais c'est mon avis personnel. Il n'y a pas d'item où il y a des gros problèmes de bugs, où il y a des problèmes de texture, non. Donc ça fait plaisir d'avoir un kit qui est propre, qui est nickel. Tchou, à demain 16h, merci infiniment, merci beaucoup, merci à tous pour le soutien, merci.